Hello tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Ravenlock, un jeu développé et édité par Coco Cucumbers. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe. Let's go! Nous allons maintenant pouvoir continuer notre aventure dans le labyrinthe et on commence tout de suite avec la prochaine figurine. Je tenais juste à vous dire que ce guide ne sera pas forcément dans un ordre dit habituel, mais qu'importe, puisque je vais vous assurer d'avoir tous les succès. Le prochain succès s'attaque au fait sur des grenouilles. Pas de soucis si vous ne comprenez pas l'anglais, il vous suffit simplement de suivre mon cheminement. Ce monument nous servira pour plus tard lorsqu'il faudra résoudre un puzzle afin d'ouvrir la porte d'un temple sacré.
Nous allons activer cette quête, mais nous y reviendrons plus tard pour une autre quête. Vous verrez, tout est en lien. Direction la quête suivante. Nous allons faire la quête concernant la fleur à recueillir pour commencer. Donc nous allons réactiver la fameuse stèle dont je vous ai parlé au tout début. Nous allons commencer par interagir avec la porte, ce qui va nous permettre d'activer la quête. Ensuite, nous allons interagir avec les 4 symboles qui sont disséminés un peu partout dans cette section.
Une fois fait, revenez vers la stèle pour la réactiver et ainsi poursuivre la quête. Maintenant, soyez attentifs aux symboles que je vais activer. Suivez vraiment les mêmes que moi afin d'ouvrir la porte du temple. À nouveau, combattez les deux vagues d'ennemis qui se présentent à vous. Nous allons maintenant pouvoir amener la fleur à la déesse endormie. Vous savez, celle qui est en pierre. Thank you.
Nous pouvons dès à présent faire la quête en lien avec le crabe qui doit dégager de sa place. Pour cela, appuyez 3 fois sur X pour l'attaquer et ainsi l'obliger à vous combattre. Take this!
Évitez au maximum les boules vertes afin de ne pas perdre trop de vie. Thank you.
Pour affronter la sorcière, vous devez faire en sorte de vous cacher derrière les deux piliers lorsqu'elle lancera ses attaques. Une fois que vous avez un intermède, détruisez les deux piliers. De ce fait, elle va tomber au sol. Vous pourrez alors l'attaquer directement. Parce que vous allez le voir dans la vidéo, elle est insensible à vos attaques lorsqu'elle se trouve en l'air. De manière générale, essayez vraiment de rester au maximum derrière les piliers lorsque vous combattez les sous-fifres de la sorcière. Yeah.
Avant d'aller plus loin, je vais juste en profiter pour augmenter un tout petit peu le level de mon personnage. Donc, retour à la forêt des champignons. Et puis tiens, tant qu'à faire, je vais aussi faire le succès où il faut acheter 30 potions. Alors pas de panique, le succès va tarder un peu à popper le temps que la barre de suivi se mette à jour, mais don't worry, vous aurez bel et bien votre succès. Nous allons pouvoir poursuivre notre route pour activer une autre mission. Très important ici, pensez à bien briser tous les morceaux de verre qui se trouvent sur votre chemin. Alors pour le moment, nous ne pourrons pas aller plus loin dans cette quête, mais je vous propose donc de faire un petit retour en arrière à la Tea Party afin d'obtenir notre première relique. Et ensuite, direction la Tour de l'Horloge pour la deuxième relique. Thank you.
Il va falloir ramasser 5 plantes. Je sais pas si elles puent, mais ça a tout l'air en tout cas. On va récupérer notre 13e figurine et ensuite nous irons affronter notre tout premier boss. Ici, esquivez au maximum et frappez fort lorsque l'une des têtes se retrouve contre la table après son attaque.
Il va falloir ouvrir le coffre pour récupérer le chapeau et ensuite le porter afin d'obtenir le prochain succès. Nous allons enfin pouvoir récupérer notre toute première relique. Pour ça, avancez vers elle et ensuite frappez avec X afin de la libérer. Direction le château de la reine pour placer notre premier butin. Avant de me rendre à la tour de l'horloge, je vais juste en profiter pour acheter quelques bombes parce que là aussi, il faudra en acquérir 30 pour le succès. Alors oui, je sais, je repasse par la forêt, c'est pas le chemin le plus pratique, mais voilà, avant d'aller plus loin, je vais juste encore augmenter un peu le level de mon personnage. «
Pour les deux monstres à combattre, privilégiez vraiment les attaques à distance avec LB et les bombes. Ne faites pas du tout comme moi qui tente de tuer le plus rapidement possible, mais qui consomme un max de potions de vie. Je suis pas du tout un exemple ici dans cette vidéo. Évitez également les cercles violets, quels qu'ils soient, ainsi que les cercles de feu dans le deuxième monstre. En gros, voilà, ne faites pas comme moi. Thank you.
Comme auparavant, ouvrez le coffre et portez le prochain accessoire. Qui dit accessoire dit succès. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Ravenlock. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.